À l'automne 2015, au lendemain des attentats, un psychanalyste reçoit dans son cabinet parisien des patients d'horizons variés, tous impactés à leur manière par les attentats. C'est le thème de la nouvelle série En thérapie de Eric Toledano et Olivier Nakache, une série absolument géniale qu'on pourra voir le jeudi à 20h55 sur Arte à partir du 4 février. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Eric Toledano. Bonjour. Bonjour. J'ai peur de m'être trompée. Reda Kateb, bonjour. Bonjour. Vous incarnez l'un des patients, en l'occurrence un policier qui était dans l'équipe d'intervention au Bataclan. On va y revenir. On est absolument ravis de vous accueillir. Et avant de parler de cette série, on regarde la bande-annonce. Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre ? Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Vous voulez dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire, là? Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con? Bah, tu le sais, c'est ce que t'es. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison? Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. Alors, même si c'est le psy, c'est pas votre domaine, le cabinet de psy, c'est pas votre truc, honnêtement, c'est passionnant, on est accroché immédiatement, il y a un casting incroyable. Cette série, c'est l'adaptation de la série israélienne Betty Pool, c'est dit comme ça, recontextualisé au lendemain des attentats de 2015. A priori, vous faites plutôt des films. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la série et sur ce thème? Alors, c'est vraiment le thème et la forme. C'est vraiment les deux combinés. Le thème, c'est de mettre la parole au centre. Et je pense que au moment où arrivent finalement les attentats en 2015, avec Olivier, on est sous le choc comme tous les Français. Et notre première thérapie, c'est d'ailleurs un grand réalisateur qui avait dit ça, c'est Billy Wilder. Il disait, quand je suis vraiment déprimé, je fais une comédie. Je crois que la première réaction qu'on a eue, c'était essayer de faire le sens de la fête. Et je rends encore une fois hommage à Jean-Pierre Bacri qui nous a accueillis à ce moment-là avec une chaleur et une intelligence folle. Et donc, on a eu cette thérapie, on avait besoin d'entendre les rires. Et puis derrière, comme ça, en dessous, est sortie cette série, parce qu'on se rappelait de la série. Elle avait été adaptée dans pas mal de pays, mais jamais en France. Et on en avait cette envie, et d'envie, c'est vraiment devenu quelque chose de plus nécessaire, parce que je pense qu'au lendemain des attentats, on était tous fragilisés, et on avait besoin, en fait, de remettre un peu de parole. Il y avait trop de cacophonie, et malheureusement, la période qu'on vit actuellement ne nous donne pas tort. Je crois qu'on est encore dans un moment de prise de parole généralisée avec peu d'écoute. On entend du bruit, mais on n'arrive pas à distinguer. Je trouve que la psychanalyse, de remettre un peu ces silences et cette profondeur un peu au milieu du vacarme, c'était ça la motivation. Reda Kateb, vous jouez le rôle d'Adel Chiban, qui est policier à la BRI. Il a fait partie de ceux qui sont entrés au Bataclan le soir des attentats. C'est un personnage qui souffre, qui refuse de le dire clairement. C'est une sorte de déni. Il y a un mélange de douceur, de violence. C'est quoi votre personnage ? C'est certainement comme beaucoup de personnes poussent pour la première fois le cabinet d'un psychothérapeute ou d'un psychanalyste. Quelqu'un qui vient et qui dit « j'ai mal », mais qui le dit avec ses mots à lui et qui sont pour le coup les mots d'un guerrier, en fait, de quelqu'un qui porte toutes les qualités d'un guerrier, qui sont la bravoure, le courage, la loyauté, toutes ces choses-là, mais qui aussi ne sait pas faire grand-chose, si ce n'est se protéger avec un bouclier ou attaquer avec une arme. Et du coup, ça va être un long voyage qui est condensé parce qu'on est dans une série, mais
Je trouve que ça résonne pas mal avec finalement l'image que beaucoup de gens pourraient avoir de la psychothérapie, qui est en gros le mécanicien. On sent quand il arrive que c'est pas son truc, hein, qu'il est pas convaincu là. C'est pas son truc et effectivement il pense que le psychanalyste est un peu comme un mécanicien. Voilà, j'ai quelque chose qui va pas. Est-ce que vous pouvez me réparer ça, quoi ? Il n'est pas encore au courant du travail qu'il va devoir faire lui-même. Du chemin aussi. Mais ce que j'aime beaucoup, au-delà de la qualité elle-même de la série, des autres acteurs, Frédéric Pierrot... Qui est incroyable. Qui est vraiment incroyable, c'est cette manière de rendre aussi accessible la psychanalyse et la psychothérapie, et encore plus dans une période comme celle qu'on traverse. C'est pour ça que même si on n'est pas du tout... si ce n'est pas un genre qu'on aime, vraiment, on accroche et on apprend plein de choses. Comment vous avez préparé ce rôle ? Vous avez rencontré des témoins ? Comment vous avez fait ? J'ai lu, j'ai regardé des documentaires ou ce qui peut s'apparenter à des documentaires... Les milliers d'images dans lesquelles on peut voir des flics de la BRI casser des portes à 6h du matin. Je ne me suis pas tant attardé sur cela, mais en même temps, c'était intéressant de comprendre le métier, le quotidien de ces gens-là. Chaque rôle, pour moi, commence vraiment avec le métier. Je ne veux pas être indiscrète, mais vous avez suivi une analyse pour pouvoir le transmettre aussi, de manière aussi réelle. Alors, il se trouve que c'est un détail, mais moi, je suis effectivement dans un processus, mais je parle aussi des scénaristes, parce que c'est une adaptation où il y a eu un pool de scénaristes, David Elkaïm, Vincent Poiméro, qui eux-mêmes ont pris aussi une équipe par personnage. Donc chacun avait un lien particulier avec la psychanalyse. Et donc eux étaient encore plus férus pour adapter ça aussi à la culture française, parce que comme c'est une série qui vient d'Israël, mais qui a aussi été adaptée aux États-Unis avec Gabriel Byrne, chaque pays quand même a sa pratique. Par exemple, les thérapies de couple en France sont moins justifiées. Donc dans la série, on explique justement quand il va voir sa contrôleuse qu'elle s'étonne qu'il prenne des couples, etc. On a essayé. La contrôleuse, c'est celle qui supervise le psychanalyste. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'il y a quatre personnages qui sont suivis sur cette séance. Et en fait, le dernier jour, c'est le psy qui, lui, va en thérapie et qui voit une contrôleuse pour vérifier dans quel état il est, lui aussi, pour pouvoir être toujours aussi efficace avec ses patients. C'est quand même curieux, ce jeu d'acteur, où vous êtes en permanence face à ce personnage. C'est déstabilisant, c'est déroutant pour un acteur ? C'est unique, en tout cas, et je l'ai pris comme un défi. Il se trouve que on avait un texte, un scénario qui était vraiment très abouti, très très bon, où dès la première lecture, j'ai senti que j'avais envie de le jouer. Il se trouve que j'ai fait quasiment tous les épisodes dirigés par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec lesquels on continuait une longue aventure, et c'était aussi l'occasion de continuer de passer du temps ensemble. Mais c'est vrai qu'on tournait un épisode en un jour et demi. Donc on est sur 25 minutes de jeu à peu près. D'habitude au cinéma, on fait en une journée, on fait peut-être 1 minute 30 qui va rester dans le film. Donc c'est à la fois un défi très stimulant. Ça met dans les journées de tournage une espèce d'urgence, mais pas de tension parasite, parce que c'était très joyeux en réalité. Voilà, c'est ce qu'on aime. Mais on sent que vous avez besoin par moment de bouger, de vous lever, d'échapper un peu à ce regard. C'est quelque chose qui était du jeu d'acteur pur ou que vous sentiez nécessaire ? Tout s'est fait ensemble, hein, vraiment, avec les metteurs en scène, avec le partenaire. Mais pour le coup, dans un huis clos dans lequel vous n'avez que deux acteurs en champ contre champ, pas d'action, pas de. Voilà, comme on a l'habitude de voir. Le fait que je me mette vers l'avant du canapé, tout d'un coup, c'est une action. C'est ça, vous l'avez dit, le scénario est très abouti, mais quand même, quand on est dans ce huis clos, effectivement, avec une précision et des réactions totalement étonnantes du psychanalyste, enfin, très très vrai, tout était écrit au mot près ou il y avait une liberté ? Non, tout était écrit au mot près parce que c'est un domaine, si vous voulez, c'est comme quand on fait hors norme, on s'attaque à des sujets qui sont trop complexe pour pouvoir tourner autour. Il faut être précis dans les mots, il faut être précis dans les attitudes. Et il y a forcément des psy-consultants qui lisaient le scénario. Il y a eu des contrôleuses ou des contrôleurs. Des contrôleurs pour nous aussi, et qui venaient et qui disaient ça n'existe pas, ou ils ne pourraient pas dire ça. Déjà, on le fait un peu plus parler que la normale, parce que sinon, ils seraient que dans l'écoute. Mais voilà, on joue avec la réalité. C'est encore une fois, dans notre process, on s'approche quand même d'une rencontre entre la fiction et la réalité. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est honnêtement, c'est réussi, mais
au-delà de beaucoup de choses. Franchement, merci. Allez-y, parce que si vous commencez, vraiment, vous allez accrocher. On apprend plein de choses, c'est passionnant, c'est intelligent, remarquablement bien joué. Franchement, je ne peux rien dire. En thérapie, donc, c'est jeudi à 20h55 sur Arte, c'est à partir du 4 février. Il y aura combien d'épisodes à chaque fois? Alors, ce sera 5 par 5, d'accord. Mais sinon, c'est aussi sur arte.tv en ligne. Directement, dès aujourd'hui. Je vous lis à chaque fois, je vous dis merde, mais franchement, j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.